Je m'appelle Denise Jouan, épouse Lefranc. On se trouve au Prématurin, du côté Finistère de la rivière. Ben, ici, on venait chercher les résidus de la rivière, tout ce qu'on avait coupé pour faire de la litière aussi. Mes parents prenaient une concession, mais alors un peu plus vers l'OTA, vers en dessous l'OTA. Et puis alors ils avaient une concession où ils faisaient le foin et ils nettoyaient un morceau de la forêt. Donc ils avaient le bois mort bien sûr, et puis alors la litière. Ben, c'était un foin naturel quoi. C'était pas du tout comme le foin, mais alors il avait quand même une certaine valeur et puis il nourrissait les bêtes l'hiver. Eh bien, on coupait le foin déjà. Ça repoussait. Mais alors on y mettait les vaches. Les vaches bottaient cette herbe-là. Et puis alors, comme partout ailleurs, on fermait les prés à partir du mois de début de mars. On n'y mettait plus les vaches pour que le foin pousse. Et alors on coupait le foin à la bonne époque, quoi, quand souvent c'était fin juin, début juillet, suivant le temps qu'il avait fait. Ah ben là, on ne pouvait pas emmener les machines qu'il y a maintenant, bien sûr. Alors ça se faisait à la faux. On coupait ça à la faux. Et quand il y avait des menaces d'inondation, on était obligé de ramener ce foin-là, s'il n'était pas encore bien sec, sur les bords, de là où ça ne pouvait pas être inondé, quoi. Alors ça, c'était une corvée hein, pour nous. Oui, oui, on n'appelait pas ça les guernes de l'autre côté, on appelait ça les palutes. Ben, après la guerre, on a fait encore un moment quand même. Et puis je suppose que vers les années 50, 52, 50, ça s'est arrêté petit à petit, quoi. Ah ben, toute la saloperie pousse, quoi. Et puis bon, certains disent que c'est bon de laisser ça parce que ça nourrit certains animaux. Mais moi, je ne crois pas que c'est si bon que ça. Parce qu'avant, je trouvais quand même qu'on avait beaucoup moins d'inondations. Parce que quand il y avait des marées, ça s'étalait sur les champs, sur les abords. Et que maintenant, avec tout, ça fait barrière et puis ça ne s'étale plus quoi, comme il faut. Pas assez vite, quoi. Nous, c'était obligation. On avait quelques vaches, bon, il fallait les nourrir et puis alors penser à l'hiver et puis... Ah, maintenant, ce serait plus possible. À la rivière, mais c'est extraordinaire. C'est la vie. L'eau d'abord, c'est extraordinaire parce que on a besoin d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, eh ben, c'est la fin. Parce qu'il y a eu des années de sécheresse où il n'y avait pas d'eau. Eh ben, les gens venaient de très loin amener leurs vaches à l'eau. Dans la rivière, là, Ita. Hein. Quand on faisait les foins, on entendait des bancs de saumon qui sautaient dans la rivière. C'était extraordinaire. Ben, un bruit que ça retombe sur l'eau, et comme les saumons étaient assez gros, ça retombait vraiment en clapotant, quoi. Un clapotis, mais soutenu. Alors, dans les ruisseaux, on trouvait et des petits saumons et des truites. Bon. On demandait à personne si on avait le droit de les prendre. On les mettait à la poêle et ça nous faisait un bon repas. Oui, j'ai vu la rivière se dégrader et ça me fait mal de revenir au bord de la rivière, oui. J'ai plus le même plaisir quand je vois toute cette friche. Quand les papeteries de Mauduit déversaient toute leur saloperie, ça faisait de l'écume blanche, c'était pas... Et l'odeur, oh là là là, là c'était pas appétissant. Alors, je pense qu'elle est plus propre maintenant, quoi qu'il faudrait voir. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais elle a l'air plus propre. Je souhaite qu'ils voient la rivière aussi belle que je l'ai vue, moi, dans mon jeune temps. Et qu'elle ait pour eux la même valeur qu'elle a eue pour moi,